Christophe Devet, bonjour. Alors, le Salon du Chocolat, votre impression sur l'édition 2012? C'est un peu compliqué de vous donner mon impression parce que ça a à peine commencé. Ça commence, c'est ouvert au grand public dès demain. Ce soir, c'est l'inauguration. La première impression, c'est que là, je viens de passer une petite demi-heure dans les allées du salon. Il y a déjà beaucoup de monde, il y a beaucoup d'exposants, il va y avoir plein d'animations. On sent que ça va être une belle édition, puis on en a besoin, il faut rêver. On peut dire que le chocolat ne connaît pas la crise. Le chocolat ne connaît pas la crise parce que le chocolat permet de rêver, permet d'aller un petit peu ailleurs et ça c'est très important évidemment. Le chocolat ça permet simplement de se régaler, de se faire plaisir et puis ça déstresse, c'est excellent pour la santé. Vous, votre chocolat préféré, Christophe Devet? Le chocolat noir, et j'aime bien le chocolat noir, mais vraiment très poussé, style dans les 74, voire 80%, si ça existe même encore plus. J'aime beaucoup l'amertume du chocolat noir, et puis surtout sa pureté. Alors, certains disent que le chocolat noir, c'est le meilleur pour la santé. Qu'en pensez-vous? C'est le meilleur pour la santé. Le chocolat est excellent pour la santé comme tout, mais il ne faut pas faire d'excès tout simplement. C'est vrai que le chocolat noir, c'est un chocolat pur, ça dégage ce qu'on appelle des endorphines. Hein. Donc pour la santé, c'est excellent, c'est un antidépresseur. Il paraît même qu'en mangeant plein de chocolat tous les jours, on peut aussi faire attention à sa ligne. Mais j'aurais tendance à dire que le chocolat est excellent à condition de ne pas en manger trop. En ce qui me concerne, c'est pas plus d'une plaque par soir. Alors, cette semaine, vous allez animer Oui, je vais présenter l'espace des démonstrations des grands chefs. Donc, c'est dans le fond du Hall 5. Comme depuis 18 ans, depuis la création du salon en 1994, on a commencé à l'espace Eiffel Branly, ensuite il y a eu le Carousel du Louvre, puis maintenant Porte de Versailles depuis 2004. Et puis chaque année, c'est un grand plaisir de présenter les démonstrations de recettes avec les grands chefs. Sylvie Douce, elle a vraiment du savoir-faire. Sylvie Douce et François Janté, il ne faut pas oublier qu'il y a le papa et il y a la maman hein, du Salon de Chocolat, c'est Sylvie Douce et François Janté. Non seulement un savoir-faire, c'est aussi une grande gourmande de chocolat, et puis bien évidemment, c'est une femme qui sait mettre en relation toutes ses professions, puis surtout les soutenir, et ça je crois que c'est le plus important, à travers tous les ans ce salon à Paris, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, en province, depuis 2010. Merci Christophe Devet, dernière question, vos projets alors? Mes projets, manger beaucoup de chocolat pendant 5 jours, c'est aussi ce que je vous souhaite, hein, il faut le faire. Manger beaucoup de chocolat, c'est excellent pour la santé. Merci Christophe Devet. Merci à vous.